La photographie, c'est seulement moyenne. Quand on pense à être photographe, c'est pas parce qu'il y a des caméras. Moi, j'aime pas beaucoup, même pas beaucoup les caméras. Moi. J'ai le privilège d'être un témoin de mon temps et pour faire ça, j'utilise la photo pour montrer aux autres ce que je vois. C'est devenu l'art le plus facile au monde. Mais d'ailleurs aussi écrire et lire, tout le monde sait écrire et lire, mais combien d'auteurs il y a? Quand je regarde les photos, c'est toujours une recherche à l'esthétique, à la composition, les couleurs, la forme. Mais tout ça, c'est la médiocrité. Le seul but de l'art, c'est la condition humaine, la façon qu'on consomme la vie, comment on vit. Et alors là, ça devient intéressant. Moi, personnellement, par exemple, je ne fais pas de photos de paysages, de la nature, tout ça est parfait. Moi, j'aime bien l'être humain avec son imperfection. Vous savez, il y a la beauté dans la tragédie, hein. Il y a la beauté où on ne croit pas que ça peut y être. D'ailleurs, la grande peinture a toujours montré des choses extrêmes et avec une capacité de montrer la beauté aussi. Et pour moi, l'art, c'est la communication dans son expression la plus belle. La coupe, c'est une union culturelle. Ça signifie se rapporter avec la première personne, plus près. Il n'y a pas de coupe pareille. Je ne veux pas la photo du mariage pour documenter le mariage. Je veux dire qu'il ne faut pas aller chez les prêtres ou les mères pour être marié. Voilà, il faut simplement une photo. On a tué l'imagination. Bien sûr, toute la technologie nous fait savoir tout ce qui s'est passé, du passé jusqu'à maintenant. Mais si on veut savoir le futur, si on veut connaître ce que ça peut être intéressant, il faut qu'il y ait que l'imagination. L'imagination n'a pas de technologie. C'est ça qui m'intéresse. Je fais des milliers de portraits. Dans mon travail, je suis en train de faire depuis 10 ans, ça parle de la race humaine. Et j'ai photographié des milliers et des milliers de gens dans le monde entier. Et tout le monde me regarde dans la caméra. D'une phrase que j'ai entendue plusieurs fois qui me dit: vous ne pouvez pas me photographier parce que vous me volez l'âme. En regardant les gens dans les yeux. Quand les hommes me regardent, ils ne regardent pas moi, ma caméra, à ce moment, ils sortent leur âme. C'est drôle parce que c'est quelque chose qu'on faisait avec la grande peinture. La photo ne fait pas ça. La photo, on regarde les autres. Mais il faut être regardé. Il faut se faire regarder.